Et bonjour à tous, c'est Brian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs 2 pour l'épisode 10, 17 ou 18, je me rappelle plus, 17 normalement, ouais 17, ouais, je me rappelle plus mais ça devait être ça, on continue notre mission. Salut Rétro, je t'ai préparé ça. Super, tu viens aussi? Non, j'ai le mal de mer. Quand la péniche sera à portée, tu pourras l'atteindre rapidement. Allez, encore deux. Marcus, j'ai rapproché tous les piratages de péniche avec l'activité de la bourse de New York. À chaque fois, ça correspond à des périodes de trading ultra volatiles. Je suis remonté jusqu'à 2007. 2007? Attends, tu veux dire que la crise financière, c'est... Un test de Bellwether, qui visait à manipuler les séquences de transactions sur un marché déjà fébrile. Mais ils ont fait comment, les Shoeboys, pour accéder à... À moins que... À moins que... Qu'on leur ait filé l'accès. C'est possible ou pas? Peut-être. Là. On va se rapprocher quand même. On va essayer de monter. J'ai atteint la péniche. Reste en ligne. T'as pas le droit à l'erreur là. Je promets de pas me noyer. J'y vais. Dites-moi merde. J'envoyais mon drone avant. C'est quoi ton plan? Vu la taille du bateau, il y a peut-être des centaines de serveurs. Si on veut trouver le bon serveur, faut que je hack le terminal de l'admin. Merde, je peux pas. Bon, il y a le petit robot, ouais. Et mon petit robot. Allez, à toi de jouer. Monte à l'étage en plus. Rentrer aussi. L'autre qui a... Putain de merde. Merde! Non! Pouf. Faire des caisses, c'est sûr. J'arrive à me rapprocher de l'autre là. Ok, clean low. Putain, merde. Putain.
Nickel. Alors pour retourner. Voilà. Faut que je monte. Putain, grand mental. Non. Putain, je vais essayer d'isoler le point d'origine. Ça va être dur, je pense. Je suis mon tout bloqué, bande de bâtards. Faut que je monte. Quelle bande de bouffons, c'était sec. Ils essaient un peu de s'introduire dans le système maintenant. On peut toujours, mon gars. Et voilà, on peut. Ah, ça devrait aller. Je vais voir si la backdoor fonctionne toujours. J'ai identifié le serveur principal, il n'y a plus qu'à le trouver physiquement. Pour eux, c'est transportable, mais peut-être que pour toi, ça l'est pas. Si ? Ah ouais ? Il fait quelle taille, à ton avis ? Le genre industriel. Je laisse la ligne ouverte. Le serveur. Au fait, comment je suis censé me tirer d'ici? Sur le plan que t'as trouvé, il y a un ascenseur de service. Tiens, en parlant de porte de service, je t'ai raconté la blague du... Wrench, plus tard. Non, mais c'est celle avec le cheval de course. Plus tard, on t'a dit. Installe le serveur comme il faut, et on s'occupe du reste. Ok. On se met là, tranquillou. Je
Merde, c'est pas bon ça. C'est quoi le plan? J'y suis presque. Josh, alors, merde! Top chrono. Vous bougez partout, là. Plus que 29 secondes. Un bordel! Quoi? J'aime bien être ponctuel. Caméra en hauteur, ça va bien, merci. Il va dire à Diane qu'on l'a perdu. Josh, t'es où? Tu devrais pas tarder à me voir. Là. Non, mais je suis censé voir quoi, surtout? Oh putain! C'est ton drone, ça? Surprise! Construit sur mesure. Marcus, t'es où? Il faut encore que t'accroches le serveur au drone. Au drone? Mais. Ouais, c'est bon, laisse tomber. J'arrive. Je vais aller voir avec son retour. Oh putain! Putain, maintenant faut que j'aille en haut. Fils de pute. Et comment on fait? Ok, c'est tout. Fuck! Oh merde! Oh putain de merde! Qu'est-ce que je fous là-dessus, moi? Ok. Hein? Hey yo, Josh! Combien de fois tu l'as fait voler, ce machin? Vous savez, Michel, nous sommes heureux que ces hackers soient enfin traduits en justice. L'affaire des câbles sous-marins et celle d'espionnage et de sabotage menée par des groupes comme DedSec montrent qu'il y a clairement des failles dans le système. Mais sachez toutefois que Bloom travaille actuellement d'arrache-pied sur un projet qui éliminera... Cet enculé a donné accès au Bellwether à des hackers pour qu'ils puissent le tester pour lui. Et il a présenté l'attaque comme une vulnérabilité des câbles sous-marins. Faut connaître qu'il est bon, ce bâtard. Encore plus d'entreprises vont vouloir profiter des satellites de Bloom. Bon, bah on a qu'à publier tout ce qu'on a sur Touchan, ok? Qu'il se fasse lyncher par le public comme Mussolini. Non mais c'est pas une solution de la battre. Ouais bah restez assis à rien foutre. Arrête, pour... personne reste assis à rien fois, faire. Silence! Qu'est-ce que je dis? Il nous provoque. Je crois. Il essaie encore de neutraliser notre action en nous présentant comme une menace. Et on est une menace. On s'est tous mis d'accord pour jouer la partie selon nos règles. Est-ce que ça a changé? Ok. On a presque tout ce qu'il nous faut pour le dégager une bonne fois pour toutes. Alors on se remet tous au boulot et on assure le coup. Ouais. D'accord. Alors... Bon, on va essayer de faire encore une. Ce serait bien. On va attendre que tout se débloque. Non, 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 non. Parce que là, du coup, ça c'est point de recherche. J'en ai 21. On fera ça après. Garde robot. On va faire ça. Ah, c'est pas là. Faisons.
On va y aller. Ouais, petit bug là. Des fois j'ai des petits ralentissements, ça fait mal hein. Ouah, surtout celui-là. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Allez, let's go. Faut qu'on s'occupe de Tidys, ok? La boîte de robotique? Ouais, ouais. Attends, t'as trouvé quelque chose dans les données? Ouais, en fait, on va dire que les impôts, les subventions gouvernementales et les programmes de recherche, tu remarqueras que j'utilise des guillemets, eh ben, ça colle pas. Ils collaborent avec Bloom sur un truc qu'ils appellent le plan de 10 ans. Encore des guillemets. Qui est censé améliorer la sécurité du CityOS. Mais alors pourquoi déposer des brevets sur la technologie militaire? Parce que le CityOS suit la voie de tous les systèmes de contrôle. Et c'est pour ça que Junior va devoir accomplir une mission. Non, y a pas moyen. Putain, c'est pas à toi de décider. Attends, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il suffit d'entrer dans les bureaux de Tidys pour voler leurs petits secrets? Même le gouvernement achète ses serrures biométriques chez Tidys. C'est ça le niveau de sécurité auquel on s'attaque là. Le lecteur d'empreintes? Facile. On a juste besoin d'une main. Tu peux nous trouver ça, toi, non? Eh, alors c'est ça ton plan. Couper la main d'un mec, genre. Quoi? Voilà, non? Il y a des moniteurs de rythme cardiaque et des scans infrarouges qui vérifient le débit sanguin. Pas de débit, pas de déverrouillage. Ok, ok. Bah alors, on chope un type, vivant, et on l'oblige à nous ouvrir. Non, le moniteur de rythme cardiaque verra s'il est nerveux. Ok, alors on lui achète un sédatif pour réduire le rythme cardiaque et mais ensuite... Mais bordel, on avait déjà un plan qui tenait la route. Pas avec lui. Junior, off. Oh. Et toi, écoute. Personne t'a donné le droit de te balader ici comme si t'étais chez toi. C'est mon garage. Mm-hmm. Mon matos. Il veut transformer Junior en bombe. Une bombe à IEM, un cheval de Troie. On vise les bonnes cibles, on grille la base de données, et les portes repassent au code par défaut. Ça a rien de compliqué, merde. Et après, il nous faut juste un code. Mmh. Ça pourrait marcher, mec. Mmh. Une nuit. Une nuit ensemble dans le désert, et c'est ton meilleur pote? Tu sais quoi? Pas de soucis, Marcus. Vas-y, mets-toi de son côté. Je veux pas m'interposer. Hé, hey, grandis un peu, tu veux? Attends, t'as dit quoi? Hé, on se calme. C'est bon, ok? C'est bon. Alors, comment on le fait entrer? Bon, pour commencer, il va falloir qu'on vire toute cette merde. Propagande pleine de sens. Stop. Stop! Arrêtez! Touchez pas à la peinture. Quand un de ces robots tombe en panne, Tidys les récupère dans un dépôt. Oh. C'est comme ça qu'on va le faire entrer. C'est bon ça. C'est super bon. Hey, ça c'est mon range. Ah, c'est bon. On y va quand tu veux, Marcus. Ouais. Oh, violence. C'est bon, Junior est en place? Ouais, il est là. On va se bricoler l'univers en mode MacGyver alors? C'est dur à imaginer que tout ça nous fera entrer chez le numéro 1 mondial de la sécurité. Ouais, mais on a aussi le robot à 36 000 dollars que t'as volé. Alors, t'es en train de dire que sans moi, ce plan pourrait pas marcher? Non, je dis juste que t'es un petit voleur. De grands chemins. Voilà, de grands chemins. Le banlieue masqué écumant les routes du royaume. À la recherche des plus grandes reliques. Épée plus 2, home de désintégration. Potion de vitalité, miroir d'emprisonnement, anneau de téléportation. Le banlieue masqué de grands chemins. Et son compagnon bronzé, le Robin des Blacks. Non mais si je suis le Robin des Blacks, toi tu deviens le Babtou des Bois. Ok, je vais nous bricoler une bombe à IEM de bâtard.
Et à mon avis, c'est pas ici que j'aurais du mal à trouver les bonnes pièces. Waouh, mon pote! Y'a de quoi en fabriquer des robots ici! La prochaine fois, peut-être. What the fuck, c'est grand. Là, 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 piraté. Ok, il me faut ça. Ok, nickel. Ici. Normalement. Non, c'est pas possible. Normalement, il meurt. Compliqué. En attente de confirmation. Dispersez-vous, allez. On se disperse, on le trouve, compris. Confirmation, merci. Fouillez toute la zone. T'as une fausse. Merde. Putain, ils sont trop nombreux. Putain, j'en avais vu moi là-dedans. Déjà un comme ça. Tous les envoyer.
faut que j'aille là-dedans. On est reparti. Il faut que je monte. Pas. On peut. Balayage du secteur terminé. Hop. J'ai pas accès à la clé. Désactiver. Non, c'est pas trop ça. Balayage du secteur terminé. Il me reste quoi ? Il me reste là. L'IEM est prête. Où est Junior ? Je l'ai laissé au dépôt, il est prêt. Tu peux t'occuper de la porte ? Pas de soucis. Faut déjà la clé. Prendre la clé comme ça sera fait. Ah, le truc de la porte, il est... Alerte à toutes les unités.
Putain, faut que je place l'UM, donc c'est à dire faut que j'y vais. Putain, je me fais repérer. C'est chiant. Comment je pourrais faire? Casse pas les couilles, voilà. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alors fais-nous rêver. Ok, Junior est prêt à décoller. Prochain arrêt, Tidis. Orange, il faut qu'on discute. J'ai une idée. Je t'envoie des coordonnées. Ouh, une mission spéciale. Marcus, retrouve-moi devant chez Tidis dès que possible. Près du gros panneau Silicon Valley. C'est toi qui commande maintenant. Non. Sur ce coup-là, ce sera Marcus. Moi, je vais tout faire pour qu'il puisse entrer. On se voit là-bas, Ray. Et voilà. T'as comme ça, moi, je pourrais. Et quelle voiture? Mission accomplie, voilà. Donc voilà, nickel. Regardez juste un petit coup si je dépends toute compétence encore. Ah, recherche. J'en ai 21. Allez, vas-y, on fait tout. Comme ça, on a tous les boosts. Ça, c'est bon. Toujours pas. Toujours pas, de toute façon, on est à 3, donc bon. Pour rien faire. Voilà, comme ça on est au max. Donc ça c'est cool. Donc on va s'arrêter pour cette vidéo, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter c'est Borgray, à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Ça fera très bon plaisir. Alors voilà, allez, salut.